Qui? Toi? Mais oui, c'est bien toi le garde du corps d'Aïris. Où est Aïris? Vous n'êtes pas ensemble? J'ai utilisé tous les médicaments que j'avais pour sauver les blessés après l'effondrement du plateau. Il en faut plus. Mais qu'est-ce qu'il vous faut? Alors, tu acceptes de m'aider à trouver ce qu'il me faut? Voilà, tout ce dont j'ai besoin est écrit là-dessus. Merci de votre visite, Coupeau. Ce sera tout, Coupeau. Tiens, Barrett. Waymar, tu vas bien? Pas trop mal. Actuellement, les miliciens... J'aimerais bien les aider, moi aussi. Je parle de la fameuse rumeur. Eh bien, elle était fondée. Cloud, je vais encore avoir besoin de toi. Il faudrait que tu descendes dans le site et que t'élimines les créatures qui s'y trouvent. C'est risqué, je sais bien. Mais je suis ton seul atout. En effet. À toi de jouer. Allons-y.
J'imagine que vous avez réussi à éliminer tous les monstres du site. Bien joué. Grâce à vous, maintenant, on a les coudées franches pour continuer notre besogne. J'imagine que ça doit pas être facile. Faites au mieux. Non, c'est bon. T'inquiète pas. Au fait, c'est pas grand-chose, mais ça peut toujours servir. Oh, alors tu as réussi à trouver tout ce que je t'avais demandé. Merci, j'aurai bien assez de tout ça. Bon, à moi de vrai maintenant. Au fait, tiens, ça pourra t'être utile. Quoi ? Frangin, Tifa ! J'avais tellement peur de jamais vous revoir. Arrête de m'appeler comme ça. Frangin, je t'écoute. Tu le répètes pas, mais... Une gamine m'a volé mon portefeuille avec tout mon fric dedans. Je dois être maudit, c'est pas possible autrement. Je lui ai couru après, évidemment. Mais elle courait vite, la garce. Frangin, il faut que tu m'aides. Elle ressemblait à quoi ? Merci, Frangin. Alors, pour résumer, c'était une fille aux cheveux noirs. Quoi d'autre ? Ah, ça me revient. Kyrie ? Elle allait où ? En direction de l'église. Ah, monsieur le mercenaire, vous tombez bien. Alors voilà, il se trouve que j'écris des articles pour le journal de l'énergie, voyez-vous. Ce torchon rempli de propagande pour la Shinra vous a... Mais justement, notre... Ça vous intéresse ? Figurez-vous que... Un département de la Shinra prévoit de procéder à la saisie de certains objets précieux appartenant à Don Corneo. Or, les fameux objets sont dissimulés dans plusieurs cachettes fermées à clé. Et selon vous, qui l'a volé ? L'ange gardien est de retour ! Alors, est-ce que ça vous intéresse un peu maintenant ? Ouais, un peu, je dois dire. Très bien, ça vous intéresse. Vous vous souvenez où se trouve le repère de l'ange gardien, n'est-ce pas ? Ça vous a pas fait peur, la dernière fois ? À vrai dire, non. Je préfère voir tout ça comme une chose positive. En y réfléchissant, je me suis dit qu'être menacé par l'ange gardien pourrait faire un bon sujet d'article. Et c'est quoi votre idée cette fois ? Eh bien, disons que si vous récupérez la clé volée, vous n'aurez qu'à garder les biens de Don Corneo. Pour ma part, je veux juste découvrir la véritable identité de l'ange gardien. Alors, si vous découvrez la moindre information à son sujet, j'aimerais que vous m'en fassiez part. Enchanté, Kyrie. Kyrie ? Je connais pas de Kyrie. Tu sais, celui à qui t'as volé son portefeuille est notre ami. Il est bien embêté. Ah, ça, d'accord. Dis donc, toi, je te reconnais. C'est toi qui colportais tous ces ragots dans le secteur 5. Ah oui, c'est exact, oui. Cette épée ! Mais oui, tu dois sûrement être le mercenaire dont tout le monde parle. Je suis poursuivi par la Shinra. Sauve-moi ! Tu les as volés ? Eux aussi ? Non, enfin, si, mais... Bref, il me laisse pas une seconde de répit, c'est horrible. Attends, c'est toi qui as volé la clé ? Ben quoi ? C'est si grave que ça ? Me dites pas qu'on va me tuer ! Écoute, Kyrie, tu vas rendre l'argent que tu as volé à notre ami, d'accord ? Sans oublier la clé, bien sûr. Non, je veux pas ! La Shinra, on s'en occupe. Rends le portefeuille que tu as volé. Merci ! Je crois qu'on doit pouvoir trouver ces sales types au Colisée de Wall Market. Ils organisent un combat spécial. Je l'ai déjà dit à tout le monde. C'est vrai ? C'est vrai, sauf que c'est faux. Alors toi, c'est un miracle que personne t'a encore réglé ton compte. Bref, en tout cas, je bouge pas d'ici. Alors prévenez-moi quand je serai tiré d'affaire. Tiens, notre champion ! Tu tombes bien. Aujourd'hui, on avait prévu un combat avec une gamine un peu bizarre. Tu voudrais pas nous donner un petit coup de main ? D'accord. Voilà la réponse que j'attendais. T'es le champion en titre, alors crois-moi, le public est totalement... Allez, je suis prête. Zombie ! Abandonne !
Ça me va. Attaque. Il faut en profiter. Je vais en finir vite fait. C'est à moi. Combattu cette bête, il l'a tout bonnement dressée. Quelle classe! Ah, on a vu plus coriace. Franchement, vous êtes trop fort. J'ai... Alors? Tu peux être tranquille. Crois-moi, tu n'auras plus jamais affaire à eux. C'est vrai ? Apprendre tes erreurs. Oui, dorénavant, j'éviterai de m'en prendre à des gens dangereux. Je parlais pas de ça ! Bon, le problème étant réglé, je vais... Attends un peu. Mamie ? Mais qu'est-ce que tu fais ici ? Eh ben, tu m'en as fait faire du souci, toi. Votre petite fille ? Hein ? Je vous l'avais pas dit ? Regardez, on a les mêmes yeux, vous. Qui riez ? Arrête de te faire prier et donne vite la clé au monsieur. C'est bon. Mais finalement, elle servait à quoi au juste cette... Tu commences à m'énerver, toi. Mais arrête de dire des choses comme ça, c'est gênant. Ah, c'est gênant? En tout cas, voler ce qui t'appartient pas n'a pas l'air de te gêner beaucoup. Même les voleurs doivent faire leur travail consciencieusement et en étant capables d'assumer la responsabilité de leurs actes. C'est moi, l'ange gardien, qui te le dis. Mais alors... T'es d'Avalanche, non? Je vois dans tes yeux que je ressens la même chose. Avalanche, l'ange garde. Ce dont on a besoin, c'est d'une vo... Non? Nous seuls sommes capables de devenir qui nous voulons être. Hein? On pourrait devenir des anges gardiens, nous aussi. Ouais. Je trouve que cet ange gardien est plus que bienveillant. Une chose est sûre. On n'est pas seul à se battre. On dirait bien. Même comme ça, on est loin d'en avoir terminé. Ça m'est égal de mourir. Mon portefeuille! Je t'ai dit d'arrêter de m'appeler comme ça. D'accord. Bon, je vais vous laisser. Tu es sûr de toi? Tifa, n'essaie pas de m'en empêcher. D'accord. Par contre, si tu insistes pour que je reste... Prends soin de toi, alors. Où que tu ailles, tout ira bien. Oh, oh, je me sens gonflé à bloc. Frangin, Tifa, prenez soin de vous. Et à la prochaine. Ouais. Très bien. Et...
Je peux le faire. Ah vite quand même. Alors c'est bon là? Et du coup on fait quoi? Ça prendrait sûrement du temps de les vendre. J'ai une idée. On pourrait les confier à Marle si le but est d'aider les gens. Pas beaucoup de gens. Tiens, vous voilà. Cadeau de l'ange gardien. Elle dit de vous en servir pour venir en aide au secteur 7. Attendez, vous voulez parler de la célèbre justicière? Ne me dites pas que vous l'avez rencontrée? Non, on a juste eu le message. Ça alors, c'est vraiment généreux de sa part. Ah, j'y pense. Prenez donc ceci. C'est le genre de chose qui pourrait vous être utile, non?